Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mes cheveux sont dans un état pas possible. Vous allez voir comment je fais ma routine capillaire, comment je sauve mes cheveux de cette sécheresse. C'est parti. Je commence par un bain d'huile. J'ai mouillé mes cheveux et maintenant ils sont plus souples déjà, mais ils sont toujours rentrés tassés. Donc je vais séparer mes cheveux en quatre parties. Non seulement ça va les permettre de se détendre, mais ça va rendre le démêlage plus facile. J'ai décidé de prendre l'après-shampoing Cantu pour démêler mes cheveux. Autant vous dire que le travail sera long. Je prends petite portion par petite portion. Là, je vais faire des vanilles ou des nattes. Je préfère les nattes parce que ça a tendance à moins se défaire, à moins s'emmêler. Je ne vais pas serrer à la racine comme ça. Quand je fais mon shampoing, je ne redéfais pas mes nattes. Donc, je prends mon temps. Je vais démêler mes cheveux. On va démêler toutes ces touffes. Allez, ça va passer vite devant une série. J'utilise ce shampoing solide pour laver mes cheveux. J'aime bien quand c'est solide comme ça. C'est de la marque Elfie Naturals. J'ai déjà fait un premier shampoing et je fais le deuxième avec vous. Voilà comment je le fais sur mes nattes. J'ai rincé mon shampoing, j'ai laissé la serviette un bon moment sur mes cheveux parce que je n'aime pas quand il y a énormément d'eau sur mes cheveux. Le masque que je vais utiliser, c'est le Moisturizing Mask de la marque Elfie Naturals. Oui, j'ai toute la gamme, mais c'est ce que j'utilise en ce moment. Vu que mes cheveux sont déjà démêlés, je n'aurai pas à les redémêler lorsque j'applique mon masque. Juste passer le masque et laisser poser une heure. Donc déjà juste avec le shampoing, ça donne ça. Ils ont déjà repris vie, c'est génial. La texture du masque. Je voulais faire de base un masque protéiné, mais j'ai plus de protéines de soie. J'ai plus la petite fiole et j'ai pas envie de me faire un masque aux poudres indiennes. Donc ce sera un masque hydratant, tout simple. Je répète l'opération sur les autres nattes, je défais et je vanille à la fin, comme ça je peux faire la différence. J'ai fini d'appliquer mon masque capillaire et je commence à retrouver mes cheveux, je suis très contente. C'est parti pour une heure de pause. Ça y est, j'ai rincé mes cheveux. Voilà le résultat. Donc mes cheveux sont démêlés, lavés, nourris, hydratés. Et maintenant, on passe à la coiffure. Ça va être très très simple parce que je vais les étirer. Je vais utiliser ce produit de Phyto Spécifique, mon sèche-cheveux et ma brosse soufflante Philips. Bon, elle est un petit peu handicapée, il y a du scotch, mais elle fonctionne.
Voici le résultat après quelques minutes. Donc mes cheveux sont pas étirés au max, mais c'est plutôt pas mal. On peut pas régler la chaleur, mais elle est vraiment pas forte. Et du coup là, je fais un petit caca cabride pour préserver les cheveux secs et étirés. Et je répète l'opération sur toute ma chevelure. On se retrouve tout de suite, juste après. Ça y est, j'ai fini. On va voir le résultat. J'espère que cette routine t'a plu. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.